c'est les Prince Joyce. Mon c'est Joyce et la Roche Ahmed Boyla. Vrai nom Joël Boyla. Ici nous sommes à la CCP Ndiki. Je vais vous présenter le bâtiment administratif de la CPN où nous sommes. Vous verrez des bâtiments comme ceci. Bonsoir famille, c'est le Prince Joyce, Joyce Laroche. Ça c'est un petit documentaire à court métrage. Je vais vous montrer, je vais vous présenter CCP Ndiki, la campagne des commerces et des plantations, là où je suis confiné pendant des jours. Ici nous sommes dans notre bâtiment administratif, comme vous voyez ici à côté de moi. Je vais vous présenter l'usine. Notre activité principale, c'est produire les HP, huile de palme. C'est un truc de malade. Big up à vous, Kisangani, Kinshasa. Je vous aime beaucoup. On se retrouve après dans cette pièce ici. Ok. Famille, c'est Joe, c'est la Roche, Ahmed Boyla. Nous sommes à CCP Ndiki, à l'Équateur. Un séjour de malade, vraiment. Visitez cette petite cité avec moi ensemble. On se dirige vers les îles. Suivez-moi. Elle était chez lui. Nous sommes arrivés à l'usine, bienvenue dans notre usine de CCP Ndiki, usine de production d'huile de palme. On y va, on commence. Voilà, comme vous voyez, il n'y a pas à commenter. Ici, c'est la quai.
La quai, c'est ici où on jette le régime qui vient de la plantation. Ici, nous sommes à l'usine, donc ces fruits sont prêts à être usinés. Voilà, on va un peu voir ça. Vous voyez, c'est tellement bon. Ça vient de la plantation. Il n'y a pas de commentaire. Ici, on est ici que pour ça. On travaille jour et nuit pour produire. Tellement, ça a une bonne qualité. Là. Pour nous ramener là-bas, voyez là-bas, pour que ça soit tellement broyé, tellement bien. Nous sommes à l'usine de cette PNDK, plein de difficultés, à plein boulot ici. La production des épaves, nous ne sommes pas que ça se passe. Mécanicien de la maintenance, il est là, Tokala, qui est assis. Comme à l'usine CCPNDK, vraiment on a de l'espace ici. Ici c'est les côtés arrière, on a de l'espace ici. Vous voyez là-bas, ce sont nos tanks. Les tanks là, on stocke les HP, ce sont des produits finis. Quand on termine à usiner, on retient déjà les huiles de palme. Prête à être utilisée, prête à être mise sur le marché. Voilà, on stocke là-bas. On a tank U1 et tank 2. Verrez ici. Là, c'est notre petite rivière à côté, appelée rivière Solo. Cette rivière nous aide beaucoup plus à extraire de l'eau parce que l'usine a beaucoup besoin plus de l'eau. Pour pouvoir bien préparer nos régimes. Voilà, nous avons des très bons paysages. Je suis en pleine forêt équatoriale, mes gars, en pleine forêt équatoriale. Donc ici, c'est un truc de waouh. Donc, les paysages, tout ça va. Regardez là-bas, donc ça me fait planer, vous voyez. Ça me fait planer. Je me sens vraiment au paradis, vous voyez. Je suis à l'Équateur pendant tout ce temps. Je travaille ici. Bonsoir famille, comme je vous ai dit, nous sommes ici à l'usine. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des raps. Vous voyez, quand on vient de préparer les régimes, les déchets qui restent sont là, les déchets qui restent. On a l'ingé la cuisine en haut dans ma chambre, la poussière et tout ici à la Rawana. Donc on reste ça pour aller et jeter ça à côté. Voilà. Au moins, à Moutinho, ça dans la brouette. Je verrai que tout le monde est à faire une brouette. Je m'en vais vivre aussi avec ma brouette. Donc il faut transporter ça, aller jeter ça à côté. Mais ça produit aussi l'été. Je verrai ici dans notre chaudière, ça prend aussi ça pour couper sa moto. Donc ça produit, c'est ça remonte de Montréal bien. Ça remonte de Montréal. Voilà. Oh, le gars qui dort dans le dos. Je l'ai un peu comme ça. Voilà. Donc c'est ça remonte de Montréal. Donc ça nous produit aussi des vapeurs. Ça nous produit des vapeurs pour permettre de chauffer encore d'autres choses. Voilà. Je vais monter là où j'appelle les montagnes de Golgotha pour moi. Ça me fait plaisir de me balader là-bas. Ça me fait plaisir de voir là. Ça me fait plaisir de voir tout
une maison préfabriquée. Ça, c'est une maison préfabriquée en Équateur, en pleine forêt équatoriale. Donc, c'est un truc de wow, un truc de malade, famille. Suivez-moi, vous allez quitter. Oui, comme vous avez, vous voyez, ça a été monté par nos techniciens d'ici, par le maintenancier d'ici. On a monté ça ici, on reçoit un peu de l'air. Vous pouvez faire quitter Goyara. Donc ça fait du bien, ça fait du bien de voir ça. Vous voyez notre usine, l'usine de la CCPM de Dieu. L'installation est là avec l'atmosphère de waouh. Ici on travaille matin, midi comme soir. Du lundi au lundi, on est au travail. Je vous aime beaucoup. Big up à vous depuis Kisangani, la famille. Je vous annonce que derrière la caméra, c'est le chef de plantation, Bikes Bomolo. Il est là. On est là, on est au travail. Hein. On travaille matin, midi comme ça. C'est lui le maestro d'ici. Monsieur Bikes, big up à vous depuis derrière la caméra. La visite est continue. Vous allez aimer, suivez la famille. Qui se présente.